Mes amis, nous ne pouvons croire ce que nous raconte cette créature misérable. Mais notre devoir est de soulager la souffrance du monde. Délivrons Morgine qui nous le demande et tous tendent leurs bras et lancent leur rayon de vie. Les enfants de l'arc-en-ciel lancent leur rayon de vie pour délivrer Morgine de ses chaînes. Elle va nous montrer son vrai visage. Adieu! Adieu! Nous avons été trahis, détruisons le monstre. Mais Morgine lance des éclairs avec ses doigts. Son énergie est libérée et les enfants de l'arc-en-ciel ne peuvent rien contre elle. Morgine, tu es la plus forte, explique-nous. très simple, il faut rire, boire et manger, rire, boire et danser, rire dans l'insouciance. Le premier secret, c'est la devise même de l'oiseau du paradis dont je fus. La première disciple, ne jamais avoir peur de la mort. La peur est mère de la mort. Je sens que tu dis vrai, mais comment vaincre la peur? Organisez des combats, le vainqueur de vos héroïques tournois pourra boire à la coupe de l'immortalité. Chupac, Chupac, apporte donc ici la coupe du Graal. Voilà, voilà, est-ce bien cette coupe que tu voulais? Chupac, Chupac, fais attention à ce que tu dis. Et vous, enfants de l'arc-en-ciel, entraînez-vous, entraînez-vous, maintenant c'est l'heure de ma sieste. Chupac, Chupac, tu m'éventeras dans mon sommeil. Et la guerre commence, d'abord à coups de poing, ah, puis à coups de bâton, ah, puis avec des mitraillettes, ah, puis avec des missiles. Seul subsiste debout Antarctica, à moi la coupe de la victoire. Bien évidemment, depuis des millénaires, je m'entraînais dans les solitudes glacées. Et Chupac, bien dire, nous déclarons Antarctica vainqueur du grand tournoi du vrai Graal, que tous tes rêves soient exaucés.
Et Antarctica boit la coupe du faux Graal. Et ivre s'effondre près de Morgine qui dans son rêve jubile. Mouahahaha.